Il y avait un prompteur qui est là aussi quand même pour t'aider à faire défiler ce texte nouveau. C'est pas compliqué à gérer ça ? Si, parce que si le prompteur tombe en panne, on dit mince, comment on va faire ? Mais en même temps, c'est la seule solution que j'ai trouvée pour pouvoir jouer autant de textes qui étaient écrits le jour même en si peu de temps. Quoi. On ne peut pas en direct, si on se plante, c'est monstrueux. Quoi. Ouais. Je suis habitué aussi, parce que j'ai fait beaucoup de cabaret, à des improvisations et à rebondir. Mais je bétonne quand même au maximum et je prévois un ordinateur spare de secours au cas où il y en a un qui tombe en panne, des écrans de prompteur spare aussi. J'ai aussi un ear monitor, c'est-à-dire une oreillette au cas où. Avec quelqu'un qui peut me réciter le texte si jamais l'ordinateur tombe en panne. Je l'ai aussi dans mon téléphone, smartphone, au cas où. Je l'ai aussi en version papier. Enfin, Ce ne serait pas un peu anxieux quand même ? Non, légèrement. Ne passe pas si vite, Mélanie, mais passe. Bon, passe, mais pas si vite. Encore. Comme ça me laisse le temps de voir si j'ai correction encore. Reviens, s'il te plaît, 2 secondes en arrière. Encore ? Top. Corrige-moi ça. Le 23 avril, il a pris une veste. Et celle-là, elle est gratuite. Et celle-là, elle était gratuite. Comment ça se fait que je n'ai pas corrigé ça ? Question. Mélanie, est-ce que tu as un retour ? Allô, Mélanie ? Merci. Tu me suis ? Hein ? Mélanie ? Merci. Stop. Remonte un peu. Remonte un peu. Remonte encore. Je te montre. Mélanie, t'es avec nous. Et en fait, cette Mélanie, c'est ta sœur. C'est ma sœur, absolument. Moi, je travaille en famille depuis toujours. Et oui, c'est Mélanie, ma frangine, qui s'y colle parce qu'elle me connaît par cœur. Donc voilà, elle sait, elle connaît mes angoisses, mes peurs, mes joies. Et c'est elle qui, de toutes les personnes qui travaillent avec moi, qui réagit le plus rapidement. Donc oui, quand je répète, je l'appelle souvent au secours. Alors il y a la famille effectivement de sang, ta maman qui gère les comptes, enfin t'es très entourée, ça c'est vraiment une très très belle histoire, d'ailleurs c'est un bonheur à voir. Ici d'ailleurs ce soir, tout le monde était là, ta femme alors, en permanence qui gère tout, elle est là, vraiment le soutien absolu. Et puis il y a aussi ta famille adoptée, à commencer par Julien, le pianiste qui était là sur les répétitions. Absolument, c'est un complice de toujours qui m'a accompagné à mes tout débuts dans les cabarets. C'est là où on s'est rencontrés. C'est lui qui est le témoin de mon mariage. Voilà, et il est témoin. On passe tellement de temps ensemble parce que moi je suis quasiment 200 jours de l'année sur la route en spectacle. C'est comme un frangin, quoi. Ouais. Donc c'est, et il y a une complicité du coup sur scène. On est bien là, hein. On est avec Julien. Ah, Julien, c'est beau. Tu veux pas me chanter une petite chanson là pendant qu'on y est ? Je me lève et je te bouscule. Ouais, mais pas trop quand même. Hein. Bon, toi Julien, t'as l'habitude de travailler avec Gérald ? Oui, ça fait très très longtemps qu'on travaille ensemble. Ouais. On s'est connus dans les cabarets il y a longtemps. Ah oui, c'est vrai. Donc ouais. Limite quand il a commencé en fait. Voilà, c'est ça. C'est ça. Je savais pas. Ah ouais. Et donc ce soir, là, ça va, on est à quoi ? On est à peu près à une heure. Une heure du spectacle. Tu te sens comment ? Ce soir, petite pression parce qu'on est en direct à la télé. Voilà, il y a une captation, etc. Il y a plein de choses qui ont changé dans le spectacle avec les élections, la campagne. Donc voilà, petite pression, mais c'est sympa, on aime ça aussi. Voilà. Ah, ce sont les joies d'e-direct. Est-ce que tu peux nous faire comme ça les deux, trois musiques emblématiques du show de ce soir ? Déjà il y a celle-là, celle que j'ai faite. Hein. Voilà. Voilà, il y aura un truc comme ça. Il y aura un petit. Ça, tu vois, on reconnaît bien.
Il y aura un petit truc. Enfin, comme je ça. Pense que les paroles vont être un peu changées, donc ouais, je connais bien voilà, la mélodie, mais. Il y aura ça. Dans un autre style. Il y aura ça, il y aura des petites entrées, des petits jingles comme ça que je vais faire en intermède, voilà, plein de choses, des petites interventions au micro aussi. Oui, j'ai entendu, et il t'arrive de chanter même d'ailleurs pendant le spectacle. Un petit peu, je soutiens, je fais des petits chœurs, voilà. Est-ce que tu peux nous faire un petit jingle de sortie comme ça, juste là maintenant? Ouais, juste comme ça par exemple.